Eh bien, salut à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Hunter Call of the Wild. Donc là, on va faire une chasse spéciale, comment dire, à l'ours, avec la Miller. Et par contre, c'est vrai qu'on me demande souvent, ouais, où est-ce que tu as acheté ce fusil, sur quel DLC, etc. Le mieux, c'est de regarder parce que moi, depuis le temps, je m'en souviens pas. Et comment dire, donc on va essayer de faire des approches au maximum à l'ours, avec la peau, bien entendu. Du faon en difficulté, non pas du lièvre. Hein. Et le spray obligatoire, bien entendu. Et la trousse de secours. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En tout cas, j'espère que vous passez tout de même un bon confinement. Et puis, eh bien, écoutez, allons-y, let's go! C'est parti, les amis! Oh, je crois que j'ai fait une connerie là. Je sais même pas si je l'ai touché. Ah si, nice. Regain de vitale touché. C'est bon signe ça, Francis. Ah bah il est tombé. Je vais avoir ramassé la première bête. C'est très difficile, dis donc. Ah, je suis content, une belle bête. Une belle bête que j'ai quand même suivi un petit peu. Hein. Bon, le premier est plutôt joli, je trouve. Une femelle qui a été alertée, bien sûr, au galop. Ok, ben on va essayer de la trouver. On va s'approcher doucement, Francis, et faire de la peau. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est pas ça que je veux un nounours, Drujar! Toi, ton heure viendra, crois-moi. T'as le traître. Ok, j'ai tiré dans un rocher ou quoi? Oh, ça l'a calmé, ça. Ouais, en roue. Ok. Pas ce qu'elle a fait, elle était en train de venir, après elle est partie, ouais. Je vais essayer de trouver d'autres traces ou alors des cris d'avertissement. Mais non, pas le spray, Drujao. C'est combien ça coûte ça? Une danse-tôle. Couché tranquillement, hein. Bon, là, on y retourne. Regardez ça, si c'est pas magique.
Elle fait la sieste. Une sieste, étais-je en ferais bien une aussi, moi. Bon, pas comme toi maintenant. Hein. Et fais un bisou à tonton Bruta. Bah oui. Couleur or. Ok. Voilà, vous entendez le son parce que j'ai redémarré le jeu. Alors attendez, tout à l'heure j'ai vu. J'ai suivi celle-ci, mais j'ai vu une trace d'un autre ours. Alors je pense pas que ce soit ça, non. Il descendait aussi, donc je pense que je vais finir par tomber dessus. Mais celle-là, j'appelais, venez pas, j'ai été voir, ben, l'autre était en train de poser une pêche, hein, Francis, hein? Tu sais pas, hein? Quelle galère ces montagnes. Ouais, bon, je vais remonter pour essayer de retrouver la trace de la deuxième femelle. C'est le mieux. Donc il n'y aura peut-être pas beaucoup de gibier, mais ce sera plus des appels. Enfin, je vais essayer, bien sûr, de vous montrer plus des trucs aux appâts, comme je vous disais tout à l'heure. Ok, bon, je sais pas où aller. Drugeot. Et ça fait deux fois qu'il se lève, lui. Hop, il s'est recouché. Je vois plus rien, là. Ils étaient deux, je crois. Il me semble qu'il y avait une blonde avec. Et par contre, il a pris tarif, lui. Hein. Ouais. Lui qui s'approche un peu plus, mais je sais pas, l'autre il a fait un mouvement derrière. C'est pas très catholique, hein, Francis, hein. Ouais, le deuxième, bah, deuxième. Je sais pas où il est parti. Ben non, c'était lui. Ouais, vous savez, des fois avec le soleil. Là, il marche sur mon écran. Tout, 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 tout. Pom, 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 pom. Pour les connaisseurs. Yeman! On va juste vérifier quelque chose. S'il y en avait réellement deux. Mais il m'avait semblé que celui qui s'était levé était, c'était peut-être par rapport à la couleur du jeu, je ne sais pas. Et celui qui s'était mis debout était, brun ou... Enfin, c'est des ours bruns, mais je veux dire, le pelage. Ben non, apparemment non. Voilà, quoique. Méfiance! Non, alors ça c'est un chiatique que je suis depuis je sais pas combien de temps, mais je vais me le faire. D'ours Druja, man. Mais toi debout, voir un coup. Il est agressif. Debout. Debout, je te dis! Oh putain! Yo mollo lastico. Déjà tu me donnes ma trousse de secours parce que ça pique. Mais au moins je t'ai eu, tu m'as fait chier pendant je sais pas combien de temps toi. Ah c'était peut-être le deuxième. Brun, voilà. Ouais. 756 mètres de recherche approfondie. Attends, il est quelle heure là? Oula, laisse-moi arranger ça. Vu le temps, j'aurais peut-être pas dû.
Allez, viens, ma belle. Elle hésite à chaque fois à avancer. Ben là, elle hésite pas. Elle est calme. Attentif. Ah, j'ai tout mis à côté, mais quel nul. Ok. Bon, ben, je l'avais bien ramené, mais ouais, j'ai tiré comme un manchot un peu. Drujo. Au moment, les bestioles, ils font du droite-gauche, ils sont complètement perchés. À moi ça, à moi ça. Bon, bref, on va aller chercher cette bestiasse. Elle est morte couille, Francis, hein? Ah, si, je l'ai peut-être touché, ouais, vu que je l'ai touché 3 fois. Ok, bon, c'est quoi toutes ces traces? Des rennes, des caribous? Des rennes, ouais. Ouais, ça ressemble un peu au caribou. Ok, j'allais être couché, pardon. Ils étaient 3 sur le spot. J'en ai touché 2. Fais un bisou à Toto Bruta. Elle a pris où? Dans le cœur. Donc c'était une zone de repos, bien sûr. Hein. De se reposer, mais m'a semblé en avoir vu un autre là. Ouais. Ok, donc je vais suivre celui qui a été touché. Ouais, je l'ai pas touché. Ah ouais, tu m'as fait peur, Drugier. Il est mort de couille. Cher pour mon droit. Peut-être très difficile, quand même, une belle bête. Ok, l'autre, c'était une femelle. D'accord. Bah écoutez, on va essayer d'aller la trouver, hein. Bon, j'ai le vent contre moi, mais je mets toujours dispo au cas où, moi. Il y en a qui peuvent venir de derrière, en fait, quand on fait les appâts. Bah, c'est parti. Et une bestiole.
J'arrive pas à savoir où il est. Voilà une chose super qui me fait plaisir de vous montrer. C'est-à-dire avec les appôts faire amener le gibier. Ça prend un peu de temps certes, mais c'est sympa. Donc est-ce que c'est celle ou celui que je suivais? Oui. Donc vous voyez, il n'a pas été loin, je m'étais arrêté là, je l'ai appelé, il est venu, hein. Ok. Donc ça j'adore, et puis pouvoir au moins vous en montrer un qui fait ça, c'est cool. Et après un peu de temps, sur le coup, j'ai vraiment douté, vous voyez. Et au final, c'est le drame. Ok, je vais juste regarder si fraîche. Ok. Vous voyez, elle est mollo. On a déjà mis le axe. On va prendre la peau! Bon, on se revoit quand j'entends du bruit, d'accord? Rougeau. Il y en a une là-bas. Elle est rentrée dans les sapins. Donc, est-ce qu'elle va s'avancer vers nous? Oui, puis elle a l'air motivée. Voilà. Voilà quelque chose de magnifique. L'appel de la nature t'a eu, oh toi, brave bête du ciel. Donc voilà la prise dans le cœur. Ouais, c'est qui le patron? C'est moi, le patron. Excusez-moi, excusez-moi, pardon, je suis désolé. Ok, c'est pas grave. On sort. Oh, toi le cochon, tu vas te calmer tout de suite. T'as de la chance que je t'aime bien, le cochon, parce que sinon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'aurais fini en saucisson? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les lardons si on les rassemble tous? Tu fais un cochon? Comme les Lego. Dédicace à Fifi. Par le traître. Bon, bref, je vais chercher d'autres traces. Ok, cri d'avertissement. Ouais, je l'ai pas tiré correctement. J'aurais dû viser plus haut. Mais quoi qu'il arrive, les poumons ont dû être touchés. Je sais pas si je suis monté jusqu'au poumon. Il y a un cochon, il m'a mis une claque, Francis. Putain, j'ai mis une tête au moment où il était en train de poser un caca, quoi. Il y a un cochon, il est passé à côté de moi, il m'a dit, ouais, je bruta, bam. Regardez, je me guéris, quoi. Sale traître. Alors moi, pour pister les bestiaux... C'est casse-couille. Là. 25-50, ok. Elle doit être couchée là. Elle est là, ouais. Oh, toi le cochon, tu vas te calmer. Déjà, tu t'es permis de me faire du mal, hein. Allez, on y retourne, Francis. Eh. Ok, donc on a un ours un peu plus haut.
Bah voilà. C'est assez loin, là, on peut le voir. On va mettre un peu de parfum. Regardez, il se lève là-bas. Je crois qu'il m'a grillé. S'il m'a grillé, c'est qu'il a une sacrée vue, parce que mon vieux. On va voir, hein. Alors là, t'as pas eu de chance, mon cochon. À un moment donné, quoi. Mais il a pris sa fessée. Hein. Ok. Hop, hop, le coucou. Ouais. Comment ils font les balèzes, quoi. En même temps, c'est des bestioles balèzes. Faire ce qui est. Hein. Je sais pas si c'est un ours cette fois. Non, c'est un singe, je crois, qui a. Ou un gorille qui est cette fois plus puissant que l'homme le plus puissant au monde. Pour vous dire, une claque, ta tête, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que de. Elle pendouille. Voilà. Ta tête, elle pendouille. Bon, bref. On va arrêter de parler de tête qui pendouille et puis on va s'y remettre. Ok, cri d'avertissement. Je le vois pas. Alors, je viens de trouver une zone de repos. Ils étaient deux à se reposer jusqu'à 11h30. Il est 11h37. Ah oui, viens, mon grand. Des fois, il met du temps à arriver. Hein. Toujours là. J'ai mis du spray encore, moi. Je vois que j'ai le vent, il est pas avec moi. Il s'approche. On va la voir les gens, excusez-moi. Je l'ai vu se déplacer de loin là-bas. D'accord, elle vient de se barrer en courant. Ok, j'aurais peut-être pas dû bouger. Merde. Ok, t'iras pas plus loin de Rejaman. Donc ça c'est celui qui m'était passé devant tout à l'heure, c'était la femelle. Ça c'était un mâle qui se reposait avec. Mes traces là dans la neige, c'est vraiment chiant parce que. Pas que je pense à les changer, mettre un truc bleu flashy ou je sais pas. Mon Dieu, pour voir les traces, faut se lever de bonne heure. Ok, il est parti par là, je pense pas qu'il a dû aller loin. Donc à la place de suivre la femelle, j'ai privilégié le mâle. Hein.
Ah, on vient de voir une nouvelle. Non, c'est de l'élan. 25-50. Ok, on le voit, il est allongé en plein milieu là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je le voyais, je sais pas, bouger bizarrement. J'arrive, nounours. Il y a une autre bestiole au bout là-bas, ça doit être un. Ah, il m'a vu. Les marrants sont pifs. Oui. Un beau petit mâle. On va essayer d'en faire encore un ou deux. Ok, je vais lui écrire un avertissement d'un mâle. Alors je ne sais pas du tout s'il est proche ou pas. Ouais, il est trop loin, je vais essayer de m'approcher. Non, il est peut-être pas si loin que ça en fait. Il est derrière ces rochers là. Regardez-le comment il est beau. Un petit 5 moyen. Elle a une couleur, on dirait qu'elle est beige. Ouais, ça doit être blonde. Yes. Donc ouais, il essayait bien de venir, mais il était coincé, Francis, hein, il avait du mal. C'est ce que je vous explique avec la peau ici, c'est assez chiant ça d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Quoique, on a une femelle ici. Elle était toute seule. Ok, une zone de repos. Ok. Merde! Tant vu les pas que ça faisait, j'ai cru que c'était un ours, moi. Oh, je... Et ouais, non, c'était un. Ok, passe à l'arc. Yemen! Ayman! Ça fait mal! Ouais, petit nounours, viens me voir. J'ai fait une chute et je suis tombé à côté. Et si je peux, je vais y remettre une secouée parce que. Je sais pas si je l'ai bien touché. Ah, 0,25, si. D'être quelque part par là, Francis. De moule à gaufre. Ouais, là voilà.
Voilà les gens, pour aujourd'hui, je ne vais pas en faire plus. On va rester sur cette femelle cannelle. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Je vous dis à très bientôt les gens, et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, la bise, ciao, ciao.